Salut, champion du patrimoine, on va se faire une petite jam session, une session d'un pro là. Cette histoire de 70% des pannes, j'arrête pas d'y penser. Vous savez, votre patrimoine, c'est vraiment ça, c'est votre entreprise unipersonnelle. C'est là-dessus que je voulais faire la jam session, c'est que je n'arrête pas d'y penser, c'est que globalement aujourd'hui, vous faites quoi? Aujourd'hui, je pense que les trois quarts d'entre vous là, qui êtes là, qui regardez, qui vous intéressez, qui zappez d'un conseil à l'autre, vous êtes un peu ce que j'étais moi hier en fait. Moi, pour la petite histoire, j'ai passé, ça se voit pas, je suis jeune, hein, mais j'ai passé plus de 25 ans à faire de la direction commerciale dans des groupes internationaux, nationaux, avec des plus ou moins fortes responsabilités. Bon. Directeur financier commercial, c'est toujours une responsabilité importante. Forcément, on a des équipes, hein. On n'est pas directeur de soi-même, donc on a des équipes, on a des objectifs, on a un patron. On va y revenir. Soyez le patron de votre vie surtout, hein. Donc on a des patrons et effectivement, il faut rendre des comptes. On est salarié, d'accord? On est salarié. Et comme beaucoup de monde, il y a un moment, je suis arrivé, j'étais extrêmement déçu et j'ai décidé de faire de sauter le pas, de créer Maison des Patrimoines, de me lancer en indépendant. C'est pas facile, hein. C'est clairement pas facile et le parallèle est très vrai avec la gestion du patrimoine, de votre patrimoine, de votre épargne, pour atteindre ces 70% et pouvoir commencer à créer quelque chose. Et ce parallèle est très juste, c'est qu'aujourd'hui, globalement, moi, ces 25 années, je les ai passées, j'ai vécu des moments formidables dans des boîtes superbes, j'ai eu des moments, comme tout le monde, dégueulasses, avec des patrons horribles. Je vais pas faire du bashing et balancer ici, mais si vous voulez, il y a un moment, et le dernier a peut-être été la cerise sur le gâteau, voilà, on vous vend de la bienveillance, dont vous adhérez forcément, hein, qui n'adhère pas à la bienveillance, et puis et du partage de profits, ces choses-là, c'est Similiscope, un truc où tout le monde décide et on partage les bénéfices. Bon. Dans les faits, vous expliquez à vos équipes, bah, très bien, on va aller chercher du résultat, ce que les équipes font, et puis. Puis le partage des résultats se fait pas comme ça a été indiqué au départ, donc fatigue, 25 ans là, de fatigue de ces plaisanteries-là. Et salarié, je sais ce que c'est, hein. J'ai été salarié, c'est pas une sinecure tous les jours, j'ai été sûrement un très mauvais salarié, parce que j'ai toujours pensé que j'avais ni Dieu ni maître, et que du coup, j'ai essayé de gérer mes équipes avec cette liberté de pensée qui nous a amené à faire des super succès. Hein. Si j'ai des anciens collaborateurs, collaboratrices, commerciaux, commerciales qui regardent, ils sauront de quoi je parle. On a éclaté les objectifs tout le temps et pas toujours avec le retour escompté. Et c'est extrêmement de déception et ces choses-là. Maintenant, faire le grand saut dans la vie, là, passer de salarié à indépendant, lâcher un salaire fixe, lâcher la sécurité de l'emploi quelque part. L'indépendance, c'est aussi ça, c'est perdre cette sécurité et c'est pas facile. C'est pas facile et je comprends que ce ne soit pas facile non plus de faire le grand saut vers 70% d'épargne. Le parallèle, il est là. Maintenant, je ne vous enjoins pas tous à suivre ce chemin vers l'indépendance. Ça a d'extrêmement bons côtés, cette indépendance, de faire ce qu'on veut, comme on veut. Si on se plante, ben, c'est notre faute. Si on réussit, c'est notre faute. C'est notre succès à nous. Personne ne vous le prendra. Ça va vous parler beaucoup dans les entreprises. Et voilà, ce qui manque, c'est effectivement la vie sociale, la vie en communauté. Mais moi, je le retrouve avec les clients, avec la richesse de l'échange que j'ai avec les clients, puisque la richesse des échanges, ça va faire vieux con, mais depuis 25 ans en entreprise, et plus je trouvais, jusqu'au moment de décider de passer en indépendant, ce qu'elle était. Bref, je vous enjoins pas à faire le grand saut, c'est extrêmement difficile, il faut être prêt pour le faire. Et le temps de vous préparer, si tant est que c'est ce que vous voulez faire, et ben moi, ma proposition, c'est que vous soyez chef de votre propre entreprise, et votre propre entreprise, c'est votre patrimoine. Là, vous avez effectivement cette possibilité de
commencé à créer si vous n'avez pas encore, ou si vous l'avez continué à construire et faire croître vers les sommets ce patrimoine, et faire cet effort graduellement de mettre de plus en plus d'épargne pour aller gérer votre petite entreprise, votre petit patrimoine. Très sincèrement, c'est extrêmement glorifiant et quelque part, ça va être effectivement votre liberté. Ça va être votre liberté de salarié, de vous dire, OK, je suis salarié, j'ai mon travail toute la journée, mais tu sais quoi? Je sais que j'ai mon petit pactole, je sais que j'ai mon argent de côté, je sais que mon patrimoine est en train de travailler pour moi. Il est là le secret, que votre patrimoine et votre épargne travaillent pour vous. Si elle est sur un compte livret A, sur un livret à développement durable, ça va faire répétitif, hein, mais la vérité, c'est que cet argent ne travaille pas. Il est là, il dort. Il dort. C'est comme le voisin d'à côté, là, votre salarié copain d'à côté, qui en fout pas une, mais qui a plus de primes, et ben c'est la même chose. Votre pognon, là, il dort en livret A, en LDD, et ça sert à rien. D'accord? Donc il faut le faire travailler pour vous, pour faire croître votre capital, votre entreprise, votre petite entreprise, votre entreprise patrimoniale. D'accord? Il faut effectivement faire les bons choix, et c'est là où vous êtes votre propre patron. Et en tant que propre patron d'une entreprise, on n'a pas toujours toutes les réponses. Je vous le dis, j'étais patron d'une entreprise, je suis patron d'une entreprise aujourd'hui. On n'a pas toujours les bonnes réponses. Alors on fait quoi? Il y a une quinzaine d'années, quand j'ai fait mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, je me croyais plus malin que tout le monde. Je suis sorti d'une incroyable aventure dans un groupe qui s'appelle aujourd'hui IDEMIA. J'avais créé la filiale en Amérique latine, au Brésil, un succès incroyable, des revenus hallucinants, la plus grosse marge de toutes les régions commerciales, et j'étais revenu citron, quoi. Citron, vous en connaissez aussi, j'imagine, par les salariés. Gros citron, quoi. Je marchais sur tout le monde, personne pouvait m'arrêter, et je suis rentré en France, et du coup, je me suis dit, bah, écoute. Tu montes ta boîte, tu as besoin de personne, tu vas faire du conseil, du machin, et c'est une erreur. C'est quoi? C'est une erreur de ne pas prendre des conseils quand on en a besoin. C'est une erreur de ne pas croire que on a besoin de conseils. D'accord? Déjà, tous les conseils ne sont pas payants. D'accord? Vous avez des honoraires si, avec les meilleurs, mais tous les conseils ne sont pas payants. Tous les conseils sont bienvenus, bons ou mauvais. Vous savez, vous avez deux oreilles, vous avez au milieu 25 cm qui travaille, qui est votre cerveau là, et ce cerveau, il va écouter ce qui est. Hein? Il y en a qui va rester là, puis il y en a qui va ressortir. D'accord? Et la somme des conseils que vous allez recevoir, bons, mauvais, va vous donner, parce que finalement c'est votre entreprise, et vous allez voir que vous êtes extrêmement capable, quand il s'agit de votre propre propriété, de votre entreprise, de faire des choix. Moi, aujourd'hui, là, je fais des choix. Voilà. On ne dirait pas quand on me regarde, mais je suis un mec assez sympa. Et je sais très, très peu dire non. Les gens pensent, très souvent à tort, que je suis un mec qui m'affirme, qui sait dire non et tout. Oui, j'ai ma liberté de penser depuis toujours. Je m'assiérai jamais dessus. D'accord. Mais contrairement à ce que les gens pensent, comme je suis assez profondément gentil, je ne sais pas dire non. Là, il a fallu que je dise non pour des raisons complètement propres à l'organisation. Il faut que je fasse les choses au fur et à mesure, que je dise non à un petit jeune. J'ai le désir, en fait, d'accompagner beaucoup de jeunes en fin de formation dans le métier de la gestion de patrimoine pour les aider, en fait, et à se mettre en place. Et du coup, j'ai essayé de construire Maison des Patrimoines aussi dans cette optique-là, dans cet environnement où je vais aller aider ces jeunes. Et je vais pouvoir leur donner tous les accords, tous les mandats que j'ai signés moi avec des partenaires financiers, avec des partenaires promoteurs immobiliers, et leur donner ça, ce que peu de monde fait aujourd'hui, et avec des conditions qui ne sont pas celles des grands réseaux qui vous prennent 75% des revenus. Ils se reconnaîtront. Non, parce que je veux aider les jeunes. J'ai toujours été, voilà, j'étais éducateur de foot, j'étais éducateur de golf, et c'est des choses qui me tiennent à cœur. Et du coup, je l'ai indiqué, et puis les jeunes qui sont assez présents sur les réseaux, j'en ai deux, trois qui m'ont approché en me disant voilà. Et puis là, j'ai un jeune récemment, il se reconnaîtra, qui a absolument besoin pour le 1er avril d'un stage, et ça m'emmerde de le laisser planter. Donc je voulais absolument l'aider et tout,
Mais c'est aussi mettre un peu en péril mon organisation. Et vous le voyez, ce que j'étais en train de vous dire, quand il s'agit de votre propriété, de votre entreprise, ben, il y a un moment, il faut faire des choix qui, alors ça peut paraître une bêtise ce que je vous dis, mais qui sont des choix qui sont difficiles à faire. Et pour moi, c'est difficile de refuser à ce jeune. Et je lui ai écrit hier en lui disant, écoute, Thomas, je suis désolé, mais ça ne va pas être possible aussi rapidement parce que j'ai besoin de faire les choses graduellement et dans l'ordre et de pas mettre en danger mon organisation, mon patrimoine. Donc je vais être obligé de refuser, ça m'a fait un mal de chien de lui annoncer, mais je l'ai fait. Donc voilà, quand il s'agira de votre patrimoine, vous saurez faire ces choix-là, d'accord? Et faire ces bons choix, vous le verrez très rapidement, la cohérence sera assez naturelle parce qu'il s'agit de votre patrimoine et de vos décisions, d'accord? Il s'agit, vous savez qui vous êtes, vous savez comment vous réagissez, vous connaissez vos peurs, vous connaissez vos forces, vos faiblesses, et vous allez être capable de quelque part faire ces choix. Mais ne le faites pas sans conseil, ça c'est ma recommandation à moi, tirée de mon expérience professionnelle. L'erreur, c'est de ne pas savoir demander conseil. Aujourd'hui, je m'appuie énormément sur du conseil, je parle énormément avec des confrères, des consoeurs, des réseaux. J'étais incapable il y a 15 ans de m'inscrire dans un réseau parce que je me croyais plus malin que tout le monde avec le six boulot comme ça. Hein. Bah, c'est la même chose pour le patrimoine. Le patrimoine, c'est pas simplement aller sur Boursorama gratuit, faire une assurance vie gratuite. Il y a des gens qui arrivent très bien, d'accord? Maintenant, il faut avoir aussi du temps. Est-ce que vous avez du temps? Vous êtes salarié, je vous rappelle, vous ne pouvez pas vous amuser au bureau à faire que ça. Donc, laissez les gens travailler pour vous. Accordez-vous sur les conditions avec lesquelles vous le faites. Concentrez-vous sur votre job de salarié tant que vous avez décidé d'être salarié. Et puis, laissez aussi le temps au temps pour vous de petit à petit devenir indépendant, surtout peut-être aussi grâce à votre patrimoine, en disant j'ai la liberté financière de dire merde, on va le dire, de dire merde à mon patron, vous pouvez le dire poliment, comme ça vous évitera les déboires que j'ai eu moi, et puis d'avancer sereinement, calmement, tranquillement, avec les choses qui sont dites. Par contre, je vais le répéter, et ça va être mon cheval de bataille, mon fil rouge pendant ma vie. Attention à qui vous faites confiance. Regardez effectivement la certification de la personne. Faites en sorte, les autres vont se sentir lésés, mais la vérité est là. Ne prenez que des conseillers en investissement financier. D'accord? On est sur des requêtes. Je peux vous montrer là, l'organisation du cabinet. Je suis dans ce cabinet. Ça, c'est mon organisation réglementaire. D'accord? Ça, c'est mes process de conseiller en investissement financier. Là, il n'y a que le process. Bonne dizaine de kilos, les gens qui font du réglementaire, qui sont salariés du réglementaire médical ou aéronautique ou autre, reconnaîtront la lourdeur de ces documents. Néanmoins, c'est pour votre sécurité à vous. Donc, la seule chose que vous devez vérifier à nouveau, c'est les certifications des personnes que vous écoutez. Vous pouvez écouter Johnny Winner et son cousin sur Internet, ça rentre et ça sort, ou ça reste, à vous de voir ce que vous croyez et ce qui vous semble cohérent pour votre patrimoine à vous, c'est vous qui au final décidez. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Votre patrimoine, respirez, prenez votre bouffée d'air, c'est votre entreprise personnelle, où vous n'êtes pas salarié, vous êtes le patron, c'est vous qui décidez, donc prenez le pied que vous voulez avec ça, parce que sincèrement, c'est extrêmement valorisant. C'est un bonheur de pouvoir effectivement, quand on est salarié et qu'on vit pas toujours bien les décisions, qu'on a ses prétentions de se dire il faudrait que je claque la porte, il faudrait que je foute le camp, et ça, je crois que c'est beaucoup de monde. Bah, la vérité, elle est que vous pouvez le faire, ce geste, tout en restant salarié. C'est que voilà. Votre petit coin de ciel bleu là, bah vous savez quoi? C'est ça, c'est votre patrimoine. Donc, déconnez pas avec, faites les bons choix, écoutez surtout, faites-vous accompagner, prenez ce qu'il y a à apprendre, validez ce que vous sentez cohérent pour vous, votre patrimoine, qui vous êtes, et puis foncez quoi, d'accord? Mais arrêtez le livret A, arrêtez le livret développement durable, arrêtez de faire comme le collègue salarié qui dort dans son coin et bien qu'il se récupère. Mais vous savez, ça c'est complètement injuste dans le monde de l'entreprise. Bien souvent, les incompétents sont très étonnamment valorisés, mais c'est parce que
Ils sont comme ça, là. Ils sont comme un fil plat au milieu de la route et ils ne dérangent personne. C'est aussi ce qu'on les valorise. Voilà. Leur valorisation, c'est ne déranger personne. Votre livret A, moi, il me dérange. Il devrait vous déranger, vous, parce qu'il fait que dormir. Voilà. Regardez votre livret A, pensez à votre copain salarié qui se prend toutes les primes alors que c'est vous qui les méritez, et puis rappelez-moi. Ciao.